Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les petites recettes de Frido. Aujourd'hui, nous allons faire une brochette à l'halloumi et son tartare de tomates. On se retrouve après le générique pour les ingrédients. Pour les ingrédients, il vous faut 250 g d'halloumi. Un petit poivron rouge, un demi-oignon rouge, deux tomates. Là, j'ai pris une tomate normale et une noire de Crimée, une demi-cébette, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Alors, l'oignon rouge. On va le couper en quatre et le défaire un petit peu, ce qui va nous servir pour les brochettes. Donc là, vous voyez, vous les faites comme ça. Comme ça fait des petits morceaux. Le poivron, on va commencer à le parer. Donc là, vous enlevez le blanc. Ici, on peut garder ces morceaux. Après, là, vous allez faire comme ça. Ici. Hop, en trois. Là, ce petit bout, je vous conseille la pointe de le garder comme ça. Là, après ça, en quatre. Ça, on va déjà l'enlever. Ici, comme ça. Et en deux. Et celui-là, pareil que pour l'autre, en 4. La demi-cébette, on va l'émincer. Ça va aller pour notre petit tartare de tomates. Donc là, vous émincez le plus finement possible. Pour la cébette, pour les tomates, vous enlevez le pédoncule. Et vous allez faire des petits dés comme ça. Donc là, vous prenez comme ça, vous tirez des lamelles et après des petits dés. Vous faites comme ça vos deux tomates. Et maintenant, pour l'halloumi, ce que vous allez faire, on va tailler des cubes comme pour faire de la viande à brochette. Mais là, comme on va utiliser l'halloumi, vous faites comme ça. Vous voyez? Donc là, hop, pareil, hop, on redébarrasse. Ici, on va faire la même chose. Et là, allez, regardez le morceau comme ça. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Notre tartare de tomates. Là, on a juste les tomates et les cébettes. Ce qu'on va faire, on va mettre du sel et du poivre et de l'huile d'olive. Et là, vous mélangez le tout. Et notre tartare de tomates est fini. Nous allons passer au montage des brochettes. Vous allez commencer par allumer votre four à 200 degrés. Donc là, moi j'utilise des pics à brochettes en bois. Vous pouvez en prendre en fer. Donc là, ce que vous allez faire, tout simplement, vous piquez un bout de poivron
Faites que si ça se casse, vous prenez de l'autre côté. Hop. Vous piquez l'alumi. Et après, ainsi de suite, oignon rouge. Hop, comme ça. Poivron. L'alumi. Oignon rouge. Après là, vous égalisez un petit peu. Faites comme ça. Sans trop forcer pour pas casser les morceaux. Et voilà. Donc après, ce que vous allez faire, vous allez mettre. Quand vous avez fait toutes vos brochettes, vous mettez une goutte d'huile. Vous allez mettre du sel et du poivre. Et vous allez enfourner pour 20 minutes. Regardez, nos brochettes sont cuites. Nous allons passer au dressage. Et voilà, ma brochette d'halloumi et son petit tartare de tomate est dressée. J'espère que la recette vous aura plu. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.